Ok, tant pis. Partagez le dire, mes chers et sœurs. Partagez le live, mes gens. Partagez le live. Il y a un pipi mania là-bas en haut. Partagez le dire, mes chers et sœurs. Bipez-moi la reine, mais des pipi mania. Alias, je suis un zombie. Je n'ai pas peur dès qu'elle arrive au Cameroun, me porte plainte. Bipez-la, moi qui vis ici. Mamie Kongosa. Marie Kongosa. La femme Kongosa. Famille de Kongosa. Famille de Kongosa. Maman de Dieu. Partagez le dire, mes chers frères et sœurs. Bipez-moi la reine mère des pipi mania. Qu'elle vient ici là. Oh Seigneur. Je suis belle. Une vendeuse de Ndongo. Une vendeuse de Ndongo. Elle vend le Ndongo. Mettez les cœurs. Parce que les pipi mania sont là. Bombardez les cœurs. Parce que les pipi mania sont là. Pour vont vouloir mettre les têtes de mort ou soit signalées. Mettez les cœurs à Nagogo. Mettez les cœurs, mes gens. On n'a pas fini le direct. On m'envoie le message pour dire que là, son direct est fini. Donc, bombardez les cœurs, mes gens. Mettez, taguez tout le monde. Ici, on gâte tout. Taguez les voisins. Depuis maintenant, venez ici. La reine met des bonbons, vous a vendu le rêve. Venez vous asseoir ici. On m'a envoyé en mission. Donc, ne m'en voulez pas. Je viens juste transmettre. C'est comme envoyer une donnée à la reine et les petites manières. C'est tout. Maman, une vendeuse de pépé. De pépé, de ça. Jusqu'à ton mari pas t'attraper à l'hôtel à Noisy. À l'hôtel de Noisy. Avec un client. Il qu'à votre âge, vous vendez le piment pour encore aller où avec sa maman. Vous allez dire que vous êtes belle, non? Vous dites que oh, je travaille. Je suis une femme que je travaille. Maman, même le travail est dépassé. J'ai moi dit que vous prenez, vous dites que vous travaillez, vous cotisez 1000 euros par semaine. Maman, n'oubliez pas de m'envoyer aussi les étoiles, non, mes chers frères et sœurs. Quand il pas chercher le socor, il vient, parce que monsieur même bien, monsieur même maquille même. Quand il pas, je fous le socor. Quand le FBI, quand il m'envoie le socor, il dit que non, il ne peut pas renvoyer le socor aussi. Il faut qu'elle vous donne, c'est samedi, j'ai regardé la toile, vu qu'il n'y a personne en live. J'ai dit que mieux vaut on lance ce petit socor-ci, je vous donne ce socor-ci, non. Même si, ne me souviens pas, quand il pas, n'oubliez pas aussi de télécharger l'application Tap Tap Sen. Encouragez votre fille qu'elle m'avait dit qu'elle n'est pas au. Donc, on peut me donner le socle. Il dit que je dors. Il dit que donc, je vous donne ça lundi. Ça ne serait pas bon. Le socle est bien qu'on donne le socle. Le même, tu viens verser le même jour. Ça a plus de goût. Donc, mes chers et soeurs, partagez, on nous dirait d'envoyer les cœurs. Parce que les pipi manias sont là. Ils sont prêts à signaler le direct. C'est comme ça qu'ils sont. Moi-même, je partage. C'est samedi. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le direct, c'est. Nicole qui sera tout versé. J'ai dit que, mais. La femme se fait comment pour dire qu'elle vend, elle cotise 1000 euros par semaine. C'est toujours l'aide-soignant, c'est toujours travailler chez les vieux papas là comme ça. Que tu cotises 1000 euros par semaine. Au lieu que, merci pour la personne qui a donné 50 étoiles. Au lieu que toi, tu vends le dongo, la reine et puis mania. Et la personne m'a dit que tu vends le dongo même plus que pipi. Mais je réitère, il n'y a pas question que tu vends le dongo plus que pipi. Vous vendez au même titre de dongo que vous vendez vous deux. Vous êtes les vendeurs de dongo. C'est pour ça que pipi t'es pour. Vraiment. Vous mentez. Oh, je vends. Oh, j'ai cotisé 1000 euros par semaine. Vous prenez l'argent là où? Alors que c'est le pépé que vous vendez. Tous les semaines, vous vendez le pépé à deux. Là-bas, tous de ça. Dans le même hôtel, le même client.
jusqu'à ton mari vient te trouver dans l'hôtel là. Tu as l'immeuble d'où vous êtes maintenant. Tu as chaque jour tu bagarres avec ton mari. La reine est pipi, Maria, est-ce que je mens? Chaque jour tu bagarres avec ton mari. Tous les jours tu bagarres avec ton mari. Mais ta part n'est jamais sortie dehors. Hein. Mais c'est pour pipi. Vous voyez comment ces femmes-là. La reine est. Au moins, arrête. Tu es sage, la reine est pipi, Maria. Tu viens faire genre comme si tu es dans ton couple, le couple est tellement beau. Au lieu que dans le couple, c'est le couteau tous les jours. Tu, jusqu'à la femme, jusqu'à la fille du monsieur, te tape dans la maison. Tu peux pas aller. Viens dénoncer. La reine est pipi, Maria. Ça ne sert à rien d'aller dans l'indirect où on insulte, mais faut pas te mettre les cœurs. Tu as une histoire à raconter, la reine de Pipimania. Tu as sorti énormément d'argent pour faire le recoupement familial d'un homme qui t'a donné les conditions. Tu as fait venir sa propre fille de 19 ans. Regarde le merci qu'elle te donne. Elle te tape tous les jours dans la... à cause d'elle. Ton mari te tape tous les jours. Au lieu que ta nièce est à la maison, tu as les nièces au Cameroun qui souffrent. Tu as les nièces au village. C'est ça que tu es une femme de Douala. Tu as les nièces peut-être dans les villages qui souffrent. Peut-être à Bonabéa, peut-être à la Dimombari, tous les nièces qui souffrent. Mais tu pouvais aller prendre l'enfant de ton homme. Par exemple, tu pleures le banzizi. Depuis vous avez dit que vous êtes belle. Avec tout le charisme que tu as là. La reine Epipimania. Tout le charisme que tu as là. Tu peux doter un homme au Cameroun avec sa fille. L'argent que tu as dépensé. L'argent d'une dongo. Que tu as dépensé, maman. Va le merci. Va le merci, oh. Le merci. Que sa fille te tape tous les jours dans la maison avec son père. Mais venez raconter votre histoire. Venez parler au Camerounais. On atteint 300 personnes. On lit la Bible. La Bible est là. Je dis que je vous ai toujours dit ici que je n'ai pas peur de dire que vous les plaignez, je m'en fous. Les gens ont dit que Nicole, les noms sont là. Il y a la cybercriminalité. N'ayez pas peur quand même de les informations. Même si c'est prononcé, ils ne peuvent rien me faire. Hein? La reine de Pipimania. Voilà une histoire que tu peux venir raconter sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a les femmes comme toi qui sont encore en train de faire venir les enfants de leur époux. Et quand l'enfant arrive en Europe, elle tape la personne qui l'a fait venir. Mais tu ne dénonces pas. Mais tu es là, tu fais comme si tu as une parfaite vie. Alors que ta vie est misérable, tu vis le martyr avec la fille de ton mari qui te maltraite à chaud de larmes. Et tu ne parles pas. Mais quand c'est pour les gens, vous venez ouvrir vos larges pour vous parler pour les autres. Mais vous, et ne mettez même pas les cœurs, mettez les cœurs. Tu as fait l'enfant avec un malien. Maman, la reine met les pipi mania. Tu as fait l'enfant avec Marie. Ton fils a 14 ans. Ton enfant est où, la reine pipi mania? Viens parler. Ton enfant est où? J'ai moi dit que la messe, ton enfant est où? Où se trouve ton enfant? Le farce de ça. Ton enfant, ton fils de 14 ans se trouve où? Viens sur Meta, tu parles. Il est où? Dans le malien là. Comment dans le malien là n'a pas pu donner les kaolo à ton fils? Le malien n'a pas pu donner les kaolo à ton fils. Tu étais en bain sans papier. C'est dernièrement que tu es parti au Cameroun avec pipi là. Que tu as fait reconnaître ton enfant par un Congolais. Il a reconnu ton enfant par. Et tu as donné 1500 euros. Au Congolais là, c'est au Congolais là qui a fait reconnaître ton enfant. Et c'est ça qui a donné les paroles, les kaolo. Et tu as pris ces kaolo là pour partir en Afrique avec pipi. Voilà les gens avec qui tu marches, les pipi. Ils connaissent quoi? Tu es parti, la dernière fois que tu es parti au Cameroun là, c'est le jour là que tu as les papiers quand pipi et tu es parti au Cameroun, tu en avais arrêté pipi à l'aéroport. Pour aller prendre le monsieur. Dès que tu as fait reconnaître ton enfant, ça t'a donné les kaolo. Tu es parti directement prendre le banzizi. Le vieux père de 60 ans là, avec sa fille, voilà ton merci. Voilà le merci que la fille là te tape dans la maison. Venez dénoncer ça.
Ça, on appelle ça de là. On appelle ça que. On appelle ça que. Vous même pas, on peut pas. On peut même dire quoi ça? Tu étais déçu. Ton mari a travaillé dans le gardinage de la Sankaolo. Partageons le dire, mes chers frères et sœurs. La liste est longue. La liste est longue. Vois les femmes sur les réseaux sociaux. Hein. Vois les femmes sur Facebook. Que ce qui pipi compte. Que les, quand tu on te dit leur vie n'a pas de sens. Elle se bagarre avec son mari tous les jours que Dieu a créé. Le couteau dans la maison. C'est pour ça que tu vois la reine mère, elle est comme un homme. Quand tu la vois, elle est l'homme debout. Elle n'est pas encore vu comme un macho. Elle est comme l'homme. Elle fait un peu comme l'homme parce qu'elle est habituée avec les coups de poing dans la maison. Avec l'homme que tu as fait venir. C'est la souffrance. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Pourquoi tu ne fais pas l'émission sur elle? Pourquoi on dénonce le monsieur? Elle vit le mardi avec un homme dans la maison. Pourquoi Pipi ne dénonce pas? Il faut dénoncer ce monsieur. Comment on peut faire venir un homme en Europe? Il te maltraite avec sa fille. Et tu ne dis rien. Mais tu viens jouer les gens que oh, le couple, tu es bien dans ton couple. Quand tu souffres dedans, tu es obligé d'aller vendre le dongo. À ton âge, tu vends encore le dongo. Jusqu'à ton mari partir te trouver dans l'auberge avec ton amant. Entre le combo. Le couteau qui est sorti à l'hôtel, à l'auberge, là, Dieu se sait. Maman dit que c'est le robot. Mettez-les, il n'y a pas assez de cœur. Mettez les cœurs. Partagez le direct. Parce que on va lire la Bible si la biographie. Le monsieur a dit que Nicole dénonce. Moi, je te donne l'ordre que tu dénonces. Dénonce. Il a dit que donne le nom de la personne qui est dedans. Dénonce. Il a dit que dénonce. Il n'y a rien que. N'ayez pas peur, les gens qui disent que Nicole. Je vais dénoncer mes chers frères et sœurs. Je dois dénoncer cette femme. Elle est machiavélique. Tu peux amener un homme en Europe. Le monsieur n'a même pas où dormir. Un papa congosa. Ton homme, c'est un papa congosa. Le monsieur n'a même pas où dormir. Il n'a même pas où dormir. Le monsieur n'a même pas où dormir. D'où on l'amène pour qu'il puisse habiter là-bas. Maman, il est arrivé dans l'immeuble là, maman. Ah! Seigneur, les problèmes. Le Congo, ça passe par là. Il a cogné la tête des gens dans l'immeuble avec le Congo, ça, le commérage. Est-ce que les hommes, un papa de ce un papa, comme il est même venu en Belgique, comme il est venu en il a changé, il a diminué son âge, c'est normal. Mais l'âge du Cameroun, il a 60 ans. Un père comme toi, on t'amène dans une maison. Tu n'as pas où habiter. Parce qu'elle, la reine, mais Pipi Mania, elle n'avait pas encore où habiter. C'est pour ça qu'on t'a amené d'où tu vas aller dormir là, quand tu arrives à nous. Tu arrives dans la maison, là, dans l'immeuble là. Tu peux pas fermer ta bouche, toi, le père là. Tu fouilles ta bouche partout, le Congo, ça. Regardez-les comment on m'envoie. Partagez, on atteint nos 300 personnes. Je viens lire. C'est un communiqué qu'on a dit que Nico, fais le communiqué. Je donne le à son Facebook. Voilà le Facebook du père là. Voilà son Facebook. Il a Facebook. C'est moi qui a dit. Voilà son Facebook. Il a Facebook. Voilà son Facebook. Il a Facebook. Voilà son Facebook, mes chers frères et sœurs. Le père a Facebook. Il a même mis sa femme dessus. Maman, elle est star, non? La reine de Pimania est star. On doit la dénoncer. Elle est star. Ou quoi, donc quoi? C'est moi qui ai dit. Elle est star. Voilà son Facebook. Voilà le Facebook du monsieur là. Voilà son Facebook. Allez là-bas. Vous ne voyez pas. Voilà ça. Voilà le Facebook du père là. Le mari de Julien Zombie. La reine Pipi Mania. Voilà son Facebook là-bas. Vous voyez bien. Regardez bien. Faites les captures d'écran. Voilà son Facebook. Je vais vous donner l'adresse où il travaille. Je vais vous donner l'adresse où il travaille. Voilà son Facebook. Voilà. Il a Facebook. On ne lit pas bien. Moi, vous ne lisez pas bien.
Voilà son face, voilà Facebook. Non, regardez, vous voyez bien, faites des capaces. On va chercher. Voilà son Facebook, non, voilà son Facebook, non, mes gens. Ouais, bon, vous me dérangez aussi. Voilà son Facebook, non. Là, il a fait le truc, la photo de couverture, c'est avec sa femme, la reine et Pipi Mania. Le nom de Facebook, c'est Mathurin Mafoko. Son nom de Facebook, c'est Mathurin Mafoko. On envoie son nom sur Facebook. Envoie-nous son nom. Mais, bienvenue, son nom de Facebook, c'est Mathurin. Bon. On est à 300 personnes. Mes chers frères et soeurs, partageons le direct, envoyez les cœurs. Parce que on va lire la Bible. La Bible est tellement longue. Voilà ça. Nous allons lire la Bible parce que la Bible est tellement longue. Nous allons lire la Bible. Partageons le direct, mes chers frères et soeurs. Partageons le direct, envoyez les cœurs. C'est les cœurs qui comptent. Parce que quand on va commencer à lire la Bible, ils vont venir signaler. Je ne voulais même pas lancer le direct ce soir. Je voulais lancer mon live lundi pour parler de l'affaire de ma prestige de la classe et la PDG canadienne alias Piment Chouchou. Parce que ce jour, je dormais. J'ai vu ma quota, Flore Chupinette a fait le live. Je suis venu en retard. Donc, quand j'ai entendu la somme d'argent qu'elle devait, j'ai eu mal. J'ai dit que je soutiens. Parce qu'au départ, quand ils voient les posters de ma mère, Prestige Laclaire, une grande dame que je respecte, une maman qui me conseille dans le noir, qui me dit que ma fille ne clash pas trop, ce n'est pas bien, tu peux faire ton conseil du beaux-arts, mais comme je suis tout têtu, je dis que maman, non, laisse. Moi, je suis moi que je suis pipi. Elle me dit que non, ma fille ne clash pas trop. Fais ton conseil du beaux-arts, on va te dénoncer. Même si tu as 60 personnes, on se l'a dit que non, ma mère. Je suis moi que je suis pipi, reste que je suis pipi. Elle dit que, oh, vous les jeunes, si est. Donc, quand j'ai vu au départ, moi, je ne voulais pas entrer à l'intérieur. Parce que la PDG canadienne, c'est une dame que moi, je respecte beaucoup. Je me restais, moi, à l'écart. Ça me faisait mal. Tu vois, non? Ça me faisait mal. Ça me faisait mal. J'ai dit que je ne vais pas m'entrer dedans. Tu vois? Mais quand j'ai vu le direct de Flore Chupinette, je suis tombée des nues. J'ai dit, je vais dénoncer. J'ai dit que lundi, je ne peux pas mon direct. Ce qui va tomber, ça va tomber. Ce que j'ai causé dans le noir, parce que la PDG canadienne, ce qu'elle dit devant les hommes, ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas la même chose. Ce que j'ai écouté dans le direct, attends un peu, du camé veut passer, du camé veut dire, du camé veut, je sais pas si du camé veut me dire, attendez un peu, on veut passer du camé. Donc, ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas la même chose. Ce que j'ai compris dans le direct de ma personne, Flore Chupinette, je suis tombée des nues. J'ai dit que c'est pas, ça ne se passe pas comme ça. Parce que moi, ce que j'ai causé avec la PDG canadienne, je pensais qu'à moi-même, que elle devait seulement ma mère prestige la classe. C'est pour ça que moi, je lui ai dit que non, qu'elle rembourse l'argent. Du camion, santé, dit ajoute en cours, mon frère, ça dit ajoute en cours. Ça dit ajoute en cours, c'est pas pourquoi le téléphone c'est là. Quand est ça dit ajoute en cours. Donc, comme étant en train de vous expliquer là, moi étant en train de dire que lundi je vais faire mon direct pour soutenir ma prestige la classe. Parce que dans la vie, les gens souffrent au Cameroun. La vie est due au pays. Et c'est vous-même, ces mamans-là, qui vendez le rêve aux gens. Vous les faites croire que le Canada, il y a beaucoup d'argent. Et ils s'enfoncent dans ça. Donc, quand au départ, maman prestige la classe mettait les posters, ça me faisait mal parce que maman la pays canadienne, c'est une maman que moi je respecte. C'est les deux mamans que moi je respecte. Je ne partais jamais dans les commentaires likés chez maman prestige la classe. Parce que je ne veux pas m'en dire à maman, elle dit que moi, c'est un problème que moi, je ne veux pas m'entrer dedans.
Donc, ça concerne les deux mamans-là. J'ai dit qu'ils vont gérer ça en divorce. Je ne vais pas m'entrer dedans. Mais, ce que la PDG canadienne m'a dit à moi, deux fois en divorce, ce n'est pas ce que j'ai entendu dans le direct de ma côté à Plochupinet. J'ai dit non. Lundi, je vais faire un direct par rapport à ça. Un direct de sensibilisation. Le Cameroun est dur. Je supplie la PDG canadienne. Ce que j'ai posé avec elle dans le noir, je peux dire en live, parce qu'elle n'est pas parlé comme chose de mauvais. Maman Lili le sait. J'ai tout dit à maman Lili. Mon premier test m'a dit qu'elle rembourse moi-même mon fonds intérieur. Je pensais que c'était seulement qu'elle devait l'argent à la PDG canadienne, à la PDG, à maman Priscilla. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes, parce qu'elle ne m'a pas dit cela. Mais quand j'ai écouté les gens qui doivent l'argent, je suis tombée des nues. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les méchants. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas lancer le direct aujourd'hui. Je voulais faire mon direct lundi. Voulais faire mon direct lundi pour que nous tous, nous soutenons Maman Prestige la classe. C'est une maman qui montre comment elle travaille, comment elle vend sa nourriture, comment elle donne, elle ne vend pas le rêve aux gens. Elle nous explique sa vie, elle nous conseille, elle nous dit comment faire. Fait même dans le direct, même quand Mafo lance ses directs, elle est en train de donner bons conseils à Mafo, même à Maman Pépé, elle est en train de donner du. Donc elle vient, elle nous dépanne avec les étoiles. Elle n'est pas obligée de nous donner les étoiles. Pas parce qu'elle nous donne les étoiles pour nous encourager. Elle nous donne les étoiles parce que c'est que non, nous sommes sur les réseaux sociaux. C'est grâce à les étoiles qu'on nous pourrons changer la carte. Donc elle nous encourage à sa façon. Tu vois, non? Nous tous, on est dans la même team. Je ne suis pas une abeille, mais je suis sympathisante de la TKC et des abeilles parce que ces mamans, Mafo et Maman Pépé, ce sont les mamans que moi j'aime. Et Maman Priscilla la classe, c'est une maman que j'aime beaucoup, que je respecte, comme au même pied d'égalité comme la PDG canadienne. Donc, c'est pour ça que lundi, je voulais faire mon live pour dire que Maman le tout aussi. Nous tous, nous devons être derrière Maman Priscilla la classe. C'est un truc qu'on doit dénoncer, soit ou soit R. Ramos. Je ne peux pas vous dire ce que moi j'ai causé avec elle aujourd'hui. Ce que moi j'ai causé avec elle, je vais dire c'est ici. Même si je vais dire c'est ici. Donc, c'est un peu ça. Partageons le direct. C'est mieux qu'elle doit rembourser, qu'elle rembourse l'argent. 200 personnes, c'est beaucoup. Les gens souffrent au Cameroun, beaucoup. Les gens souffrent trop au pays, beaucoup. D'où ma mère vend. Vous voyez les enfants de 2 ans, 3 ans, aller vendre le glacé pour pouvoir manger. Parce que le Cameroun est dur. Il y a les enfants au Cameroun qui ne partent pas à l'école. Même dans mon quartier, à Bépanda, il y a beaucoup d'enfants. Et quand les maquettes, quand il pleut, l'eau coule, il y a les enfants qui font 2 ou 3 jours sans manger. Et au Cameroun, sortir 1 500 000 donné à quelqu'un, c'est beaucoup. Parce que les gens aimeraient avoir une. Moi-même, j'ai beau ça. Je sors d'une famille pauvre. J'ai dormi chez nous, notre maison en carbone. Je n'ai pas eu honte. La maison de ma grand-mère, c'était ma feu grand-mère. Je dormais à terre, il pleuvait sur moi. Même si je sortais avec les hommes dehors, c'est là que je dormais. Il pleuvait sur moi. Je suis sorti pour mettre ma feu grand-mère à l'aise. Mais je suis arrivé en Italie, ma grand-mère est morte. C'est ça qui m'a cassé. Même quand il me dit que Nico va travailler. Il va travailler pour qui? Pour donner à qui? Ma grand-mère ne vit plus. C'était mon rêve de faire venir ma feu grand-mère à nous. Parce qu'elle avait beaucoup de ses amis qui partaient en bête. On se moquait dès le quartier. C'était mon rêve. Il l'a fait venir à nous. Et malheureusement, Dieu me l'a enlevé. Quand j'ai accouché ma fille, c'est ma grand-mère. J'ai mis ma fille sur ma grand-mère. Donc quand j'ai écouté le. J'ai dit que non. Elle doit rembourser cet argent. Ce n'est pas bon. Ne peut pas venir dans une groupe. On peut pas. Nous sommes déjà une famille. Tu m'as prêté la classe, la fait confiance en tant que sœur. Nous sommes même de condition qu'on le côté abeille. Non. Tu l'as fait confiance en tant que sœur. Ce n'est pas bon, mes chers frères et sœurs. Donc, c'est pour ça que moi, lundi, je voulais faire un live pour ça. Pour dire. Parce que moi, je suis déjà une grande fille. Je suis mère d'enfant. J'assume. Je lui ai dit ce qu'elle et moi on a parlé à l'époque. Parce que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres
personne derrière. Dieu a pris le temps que maman porte la grâce. C'est pour ça qu'il est vraiment derrière parce que je ne veux pas être complice de quelque chose dans ma vie. Non. La nappe n'est pas bien. Même moi qui suis ici, je ne dois pas les gens. J'accroche ma main. J'accroche mon sac pour que ma main pas arriver. C'est tout. C'est comme ça que je suis. Les longs yeux, ce n'est pas mon fort. Je me dis, la vie ici, la chimie devait être ici. Si demain, dans un an, tu me demandes si veux-tu donner. Même au Cameroun, je n'ai jamais porté la chose de quelqu'un. Je n'ai jamais pris la chose de quelqu'un. Même, ce que je porte, c'était pour moi. Moi, je me dis qu'au Cameroun, j'achetais mes sacs au machin coulo. Je n'ai jamais menti. C'est un peu ça. Donc, c'est pour dire que si je suis venu faire le diète, ce n'est pas par rapport à... Je voulais faire mon diète, papa la reine Epipmania, mais j'ai un peu... Et donc, lundi, je vais venir parler ma part économique. Le banditisme n'est pas bon. La narque, l'escroquerie n'est pas bon. C'est mieux de rembourser cet argent. Ma PDG, je ne mens pas. Ne salis pas ton âge. Ne salis pas l'image de ma foi. Ce n'est pas bon. Ne fais pas comme ma foi. Ne fais pas faire comme, fais pas comme faire un beau sang et ma misouna. Et ma foi est où? Ne fais pas comme elle va faire. Ce n'est pas bien. Ma mère, il faut venir rembourser l'argent. Partagez le dire. Ils sont en train de signaler. Maintenant, on va. On dirait c'est lundi. C'est que moi, j'ai parlé avec elle, je venais dire ça sur Facebook. On dirait c'est lundi. J'aime pas qu'on me manipule. On appelle ça la vraie manipulation. Parce qu'elle m'a manipulé. On appelle ça la vraie manipulation. Et j'aime pas. Ce n'est pas bon. Donc, partageons le direct, mes chers frères et sœurs. On est là pour parler. Maman précise la classe. Je suis avec toi jusqu'à la gare. Je suis avec toi. Même c'est que moi, je lui ai dit, je lui ai dit que non, qu'il faut qu'elle te rembourse. C'est que même deux fois qu'elle m'a appelé deux fois, je lui ai dit qu'il faut qu'elle te rembourse. Elle n'a pas parlé, elle m'a dit que non, qu'elle te rembourse. Mais je ne savais pas qu'il y avait les autres personnes derrière. Non. Si j'avais su, je devais dire que nous, je ne savais pas. Ils m'ont dit qu'elle te rembourse. Ce n'est pas bien. Mais moi, après, je suis la crainte, beaucoup de fois, j'attends ma main. Beaucoup de fois, j'attends. On va t'aider à détruire ça. Il y a aussi. Beaucoup de gens se font enaquer comme ça dans le coin, mais qui ne peuvent pas venir parler. Ce n'est pas bien. Parce que le Cameroun est dur. Les gens souffrent au pays parce que ce n'est pas bon. Les gens souffrent et c'est toujours pour la plus vendre le rêve de celui-là. Vous venez les vendre le rêve. Vous venez les vendre le rêve. Vous montez les voitures, montez le champagne, tout ça, vous les vendez le rêve. Mais quand ils voient comme ça, ils sont obligés d'aller prêter l'argent à la réunion. Ils partent prêter l'argent dans les réunions. Pourquoi? Quand vous dites que le Canada est bien, mais pourquoi vous ne prenez pas l'argent au Canada, vous venez pour investir au Cameroun? Mais prenez l'argent au Canada, pas les Canadiens. Il faut les prendre, prenez-les de l'argent pour investir au Cameroun. Vous allez prendre l'argent aux pauvres Camerounais qui sont au Cameroun. Vous prenez l'argent au Cameroun pour aller investir au Canada, mon frère. Mon frère, c'est même comment, mon frère? Ouais. Oh, mon Dieu. Alors, partageons le direct, mes chers frères et sœurs. On va parler de ça lundi. Lundi, on va parler de ça. On va débattre sur ça. Partageons le direct. On est ici là pour pipi. Pipez-moi la reine, mais les pipez-moi. Manganda, c'est comment, non? Manganda, c'est comment, non? Man, zéro paix. Bon, mes chers frères et sœurs, nous sommes ici là sur la reine mère de Pipimania, alias Julien Zombie. Nous sommes ici là pour elle. J'ai été contactée par une personne à qui Julien Zombie a fait le mal. Apparemment, Julien Zombie a escroqué l'argent. Donc, on va lire les archives. Donc, on va lire. La personne m'a écrit. Donc, elle m'a dit que Nicole, lis seulement. Coucou Nicole, voilà le Facebook du mari de Julien Zombie. On commence d'avoir pas le Facebook du mari de Julien Zombie. Voilà son Facebook. Parce qu'elle et son mari, ils ont escroqué l'argent à quelqu'un. Bon, voilà le Facebook du mari de Julien Zombie. Voilà son Facebook. Donc, comment ça fait les captures d'écran? Voilà le Facebook de son mari. Donc, j'ai été contactée par quelqu'un pour que la personne qui vient dénoncer. Bon, c'est une fille que je connais très bien. Donc, sur le fait, sur le FBI qui me dit que c'est la personne qui envoie, donc le FBI envoie les gens pour donner les informations. C'est une personne que je connais très bien.
L'idée, bon, elle a fait un enfant avec un Malien. Donc, Julien Zombie a fait l'enfant. Partagez le diable, voyez les cœurs, mes chers frères et sœurs. C'est le support, c'est la vie de Julien Zombie. Il a remé les pipimanias. Ils ont en train de signaler la quota de pipi. La reine-mère, dont la personne intime de pipi, le nom de pipi est dans la liste ici. Bêtez les cœurs. Et ils sont en train de signaler, regardez. Ils signalent le live. Vous voyez comment le live est signalé. Mon live est signalé. Partagez le direct, mettez les cœurs. Bombardez les cœurs. C'est un direct d'anthologie. C'est un direct d'anthologie. Donc, ne voulez pas faire le direct, que non, on ne peut pas mélanger le direct ici avec le direct de la dénonciation de l'Inde. Non. On doit. C'est le direct, c'est pour les reines et c'est pour les pipimania. Bon, on continue, mes chers frères et sœurs. Partagez le direct, maman, le waka de ça, le piment de ça, le pépé. 1000 euros. Maman, c'est. Elle a fait un enfant avec un Malien avant d'aller se marier à Douala avec ce monsieur. Donc, Julien Zombie a fait l'enfant avec un Malien. Le père de l'enfant n'avait pas le chaos. Bon. Donc, elle avait reconnu la fille de Mafoko. Donc, Mathurin, le gars de son mari actuel. Donc, elle a fait reconnaître la fille actuelle de 19 ans. Donc, le monsieur avec qui Julien Zombie était marié là, le monsieur a 19 ans. Là, sa fille, sa première fille a 19 ans. Sa première fille a 19 ans. Partagez le dire, mes chers. Elle a fait le regroupement familial pour faire venir le gars en France. Maman, le bandizi. Le bandizi, mes chers frères et sœurs. Le bandizi, elle n'a pas fait reconnaître un homme. Le monsieur a sa première fille de 19 ans. Le monsieur a donné un consentement. Si tu veux que moi, elle vienne en bain. Tu fais le courant familial avec ma fille de 19 ans. C'était le moment qu'elle est partie au Cameroun avec pipi. Là, parce qu'on a été pipi au Cameroun. Là. C'est ça. Maintenant, je t'assure, demande à cette dernière ce que son mari au monsieur Noissy qu'il est au berger. La personne, bipez-moi la reine des pipimania. Elle me demande que demande à cette dernière, dont la reine que moi, je viens dénoncer, que la reine des pipimania demande à cette dernière ce que son mari, le mari de la reine des pipimania. Donc, il y a un monsieur qui est berger. Quand la reine des pipimania fait venir son mari en France, maintenant, il y a un monsieur qui est un monsieur de Noissy. Qui les héberge, dont le monsieur hébergeait le mari de la reine Mépimania avec sa fille en bain. Nicole, nous allons continuer le soco. Donc, elle continue à me verser le soco. Continue. Demande à cette femme qui est Mondof Adolf. Donc, c'est un monsieur à qui le mari de la reine Mépimania est allé faire le soco, le Congo ça. Et leur dit qu'ils viendront intervenir dans mon direct. Ah, maman. Donc, le monsieur qui, dans le soco, il dit qu'il va venir intervenir dans mon live. Donc, il va venir intervenir. Donc, le moment viendra, il viendra intervenir dans mon direct. C'est ce qu'il a dit. Donc, tu verras les pleurs partout. Elle dit que comme ça, elle me dit que oui. Non, elle rencontre, elle me dit que bon. Bon. J'ai sauté, maman. Je suis parti comme ça, mon frère. Il dit que deux soeurs. Je suis bête. J'ai sauté ça jusqu'à. C'est même pas bon. Bon, voilà, c'est ici. Lorsqu'ils sont arrivés en France, parce qu'elle vivait d'abord en Italie. Donc, la reine Mépimania vivait d'abord en Italie. Bon. Elle est arrivée ici en France, dont son mari, Mafoko. Dont le mari de son mari, c'est Mathurin Mafoko. Habitait chez quelqu'un que je connais très bien. Donc, il habitait chez un monsieur que là, il connaissait très bien. Donc, Julien Zombie a fait venir son mari. Elle n'avait même pas d'endroit pour héberger son mari. Donc, elle a fait partir son mari quelque part. Donc, très bien, dans la ville de Noisselle, banlieue parisien. Et elle, Julien Zombie, habitait en province chez sa cousine. Donc, Julien Zombie fait venir son mari en France. Donc, Julien Zombie n'avait même pas d'adresse en eau. Maintenant, elle fait partir son mari chez quelqu'un dans la ville de Noisette, dans les banlieues de Paris. Mais Julien Zombie vivait en province chez sa cousine. Donc, son mari ne vivait pas avec elle. Donc, ils habitaient dans les maisons séparées. Maintenant, comment? Son mari a commencé à faire le socon sur le nom de la personne qui logeait gratuitement. Donc, le mari de Julien Zombie,
Donc, 12 jeunes zombies amené son mari là-bas. Son mari est parti là-bas, le Congo, ça, dans l'immeuble, c'est grave, c'est mal, avec la personne qui l'hébergeait. Donc, le mari arrive dans la maison. Au de rester sa soif, fermée sa bouche. Il commence à fouiller son nez partout. Il fait le socor sur le nom de la personne qu'il a, le nom de la, il commence à faire le Congo, ça, sur le nom de la personne qui l'hébergeait. Maman, on peut faire ça, maman. Hein? Maman, même les hommes font le Congo, ça, maman. Hey! Le mari fait le Congo ça, l'homme fait le Congo ça. Oh non, mon Dieu. On peut aimer le Congo ça comme ça, maman. Yish! On continue le soco, maman. C'est lent, hein, maman. Hey, maman, le soco. Ah, ça. Hein? Sus le nom, la personne qui le logeait gratuitement. La personne te loge gratuitement, tu fais le Congo ça sur son nom. Jusqu'à aller chez la mère des enfants de son hébergeant, créer les problèmes. Ah! Maman. Donc, monsieur Mathurin, le mari de Julien Zombie, a le monsieur l'héberge dans sa maison. Et quand ça ne suffit pas, hein, il part voir la femme du monsieur qui l'hébergeait, jusqu'à aller raconter, aller rapporter la vie du monsieur qui l'hébergeait chez la femme du monsieur. Il dit que jusqu'à aller chez la mère de ses enfants, dont l'hébergeant crée les, donc aller chez la mère des enfants du monsieur, aller créer les problèmes là-bas. Vous voyez comment les hommes, vous voyez comment l'être humain est méchant, mes chers frères et sœurs. Comment quelqu'un peut t'héberger gratuitement? Tu as fini de parler son nom dans les yeux. Tu quittes encore. Tu pars encore voir la mère de ses enfants pour aller encore le créer les problèmes pour qu'on enlève les chaos à ce monsieur. On peut être méchant comme ça dans la vie, maman. Quelqu'un t'héberge gratuitement. Tu peux encore parler son nom encore quelque part. Non. Ça, c'est vraiment méchant. Julien Zombie a eu les papiers comment? Julien Zombie a eu les papiers comment? Julien Zombie, je t'explique. Son fils qui a actuellement 14 ans. Julien Zombie, viens lui dire où ton enfant est avant que je parle. Julien Zombie, viens dire au Camerounais où est ton enfant de 14 ans avec le Malien. Vous êtes sur Facebook. Partagez le direct. Mes chers, c'est la sensibilisation. Vous êtes sur Facebook à insulter les enfants des gens. Mauvaise éducation. Vous n'avez pas le temps. Tu n'as pas le temps pour t'asseoir. Éduquer ton propre enfant de 14 ans. J'ai un zombie. Ton enfant se trouve. Viens parler, partager le direct. Ton enfant se trouve où? J'ai un zombie. Ton fils de 14 ans se trouve où? Tu n'as même pas eu le temps d'éduquer ton enfant. On continue. Moi, je suis là que pour le socor. Maman, là, avec Nicole, verse. Moi, je verse moi ses mains. Hein. Je verse ses mains. Je verse Promax. Maman, je suis là que pour verser. Hmm? Ton fils de 14 ans, tu m'en es ouf. Elle a fait reconnaître. Tu as fait reconnaître ton fils par un Congolais. Par le canal d'un ami de Marco, d'un ami de Mathurin. Où le nom est Monsieur Doff. Donc le monsieur, le Congolais, qui a fait reconnaître ton enfant s'appelle Doff. Il s'appelle Adolfo. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la personne qui a dit qu'il faut bien parler. Donc apparemment, tu n'as pas signé l'argent du monsieur là. Donc le monsieur a fait reconnaître ton enfant parmi, elle a pris 1500 euros. Donc apparemment, tu n'as pas fini. Tu n'as pas fini de payer l'argent du monsieur. Voilà ça. Donc, voilà ça maintenant. Elle dit aujourd'hui, son mari et elle n'adressent plus la parole à la personne qui les avait aidés. Donc aujourd'hui, ton mari et toi, vous n'adressez plus la parole à la personne, au Congolais qui a fait reconnaître votre enfant. Mais va finir son argent, Julien. Tu sais que tu lui dois l'argent. Il peut partir enlever, dit que non, ce n'est pas son père, ce n'est pas son enfant. Comment vous êtes content, vous les femmes? Tu n'as pas encore fini de payer l'argent du monsieur qui a fait reconnaître ton enfant, ton propre enfant. Tu le crées les problèmes avec ton mari. Ça s'explique comment? Hein? Ça s'explique comment? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? J'ai un zombie, ça s'explique comment? Je ne comprends pas. Moi, je suis moi là que pour le Congo, c'est maman. C'est un couple de promas de Congo, ça. C'est un couple de promas dans le bavardage et le Congo. Ça, voilà ça.
le mari congolais, la mère congolais. Voilà votre va ça. Va remettre son argent. Père, c'est même lui qui est venu m'expliquer. Va remettre son argent. Hein? Ou soit il va enlever le nom de ton enfant. Hein? Et c'est comme ça que son mari, Makombo Bavard, dont ton mari Bavard de comme. C'est toi là qui conseille pipi. Va les gens avec qui pipi s'aligne pour qu'on la conseille. C'est vrai que pipi, tu as vraiment ton blog ne fonctionne pas. Regarde les gens avec qui tu marches, les gens les Julien Zombie avec qui tu marches, pipi. Franchement, c'est pour ça que ton blog ne marche pas. Hein? Son mari a déjà 60 ans. Que son ton mari, il a 60 ans. Hein? Et comme il a réduit son âge, c'est un vieux, c'est normal. Comme il est arrivé en Europe, il a réduit son âge. Et c'est un vieux. Mais quand tu vois la photo, il est vieux, bien vieux. Son mari travaille dans une société de gardiennage de nuit. Son mari travaille dans une société de gardiennage. Donc, il travaille la nuit. Donc, il est gardien dans une société. Et non, il dit que le siège de la société de son mari, c'est la ville de Neuve, dans le Saint-Georges, dans le 94. Voilà d'où ton mari travaille. Il fait le gardiennage. Ville de Neuve, Saint-Georges, dans le 94. C'est la ville où ton mari travaille. Pourquoi le monsieur veut. Pourquoi il est venu. Parce qu'il veut que vous lui donniez son argent. Vous avez abusé de lui. Comment quelqu'un peut vous aider? Il vous aide. Il aide ton mari à dormir quelque part. Mais ton mari n'est même pas où il dort. Ton mari, ça ne suffit pas. Il quitte encore. Il peut avoir la compagne de Adolphe pour aller saquer Adolphe chez sa compagne. Ça ne suffit pas. Adolphe encore, la mène un Congolais qui va reconnaître l'enfant, le fils de 14 ans de Julien Zombie. C'est grâce à ce monsieur que Julien Zombie a eu les Kaolo pour aller prendre ton mari. Ton mari arrive le Congo ça partout. Il ne lève personne. Le Congo ça partout. Il ne lève personne. Hein? Il ne laisse personne. Vous croyez ce qui a dit? Je lis. Moi, je veux comment elle lit. Moi, elle lit ce qu'on a écrit ici. Hein. Moi, je lis ce que la personne a écrit. Nicole, elle m'a dit que Nicole lit ce que moi j'ai écrit ici. Moi, je veux que moi lis. Hein. Je lis. Moi, elle lit. Donc, le siège de la société est le Villeneuve Saint-Georges dans le 94. Donc, c'est ça que son mari fait le travail de gardien dans la nuit. C'est pas qu'il fait le travail de gardien. Le mari du Dieu est zombie. Il est gardien dans la nuit. Moi, je ne me moque pas des gardiens. Et la façon qu'elle vient se vanter sur ça, mon maman me dit que. Hey. Maintenant, le patron de la société l'avait, à l'époque, l'avait embauché sans Kaolo. Donc, à l'époque, son mari travaillait sans Kaolo. Il n'avait pas encore les papiers. Vous voyez comment l'être humain est ingrat. Vous voyez comment l'être humain est ingrat. Plus. Regardez. Maintenant, il dit ici que par la suite, il a donné après une promesse. Donc, on avait promis à son mari qu'on devait l'embaucher. Après, on devait lui donner les Kaolo. Mais apparemment, on ne l'a pas embauché. Donc, je ne sais pas. Donc, je connais beaucoup sur eux. Je savais qu'elle allait trahir Pipi. Voici la partie alors que le film commence. Elle dit qu'elle savait que la Pipi, le jeune zombie devait trahir Pipi. On va partager le direct. Donc, voici la partie que le film, là, tu vas tuer le chemin. Je m'en dis que maman, comme ça, pardon, verse. Tu sais, tout ça, il dit que maman, pardon, verse moi le soco, maman. Verse, mets dans mon ventre. Elle me dit que t'inquiète. Mais pas encore. Et pas mettre les dodos, c'est parce que les dodos sur le chima menu. Donc, on va voir les sessions, pas sur les décrits. Tout le temps, elle faisait les problèmes avec son mari, son soi-disant mari. Donc, il fallait la voir sur Mita. Oh, je suis mariée, au lieu qu'elle bagarre avec son mari dans la maison. Elle plus waka que le don, elle fait le waka. Elle vend le don avec Pipi. Donc, Julien, la reine et Pipi Mania, c'est une vendeuse de don. Elle vend le don. Oui, il dit que je l'appelle parce que c'est une sorcière. Donc, maman, c'est sûr que la personne, c'est la reine, mais tu as fini avec la personne. La personne, c'était, elle t'appelle que la sorcière. Ça veut dire qu'elle a ton macabre. C'est pour ça qu'elle est venue me donner. Elle est venue m'écrire ta vie si je fais tu mets un Dieu. Elle dit que je te dis,
même devant son mari à l'époque, elle répondait au coup de fil de ses amants sans aucun respect pour lui. Tu vois, même devant ton mari, tu répondais au coup de fil de tes amants. J'ai moi dit que quand vous dites que vous, quand vous dites que vous cotisez 1500 ou 2000 euros par semaine, ça veut dire que vous vendez. Ah, voilà ça. Tu répondais à tes amants au coup de fil des clients. Voilà ça. Elle m'a dit au coup de fil des clients. Elle bagarre plusieurs fois avec la fille de son mari qu'elle a fait venir. Regarde. Voilà une histoire que tu peux venir raconter. Voilà ça, tu as fait venir la fille, la femme, la fille de ton mari. Mais elle bagarre avec toi tous les jours. Même pas le respect. Même pas le merci que ouais, tu l'as fait venir en bain. Mais elle bagarre avec toi tous les jours. Que ta nièce au camp, ta nièce souffre. Tu pouvais faire venir ta nièce, je l'ai zombie. Hein? Mais tu as laissé ta nièce pour aller faire venir le mari de ta soeur pour le banquier. Voilà ça. Tu as su, maman. Moi, je veux que moi, je lis ce qu'on a écrit ici, maman. Je lis moi ce que. On a dit ici, je lis. Maintenant, elle dit que je t'assure. Demande à cette dernière ce que son mari en. Avec le monsieur annoncé, on dit que ton mari, elle a été demandée à ces derniers où son mari l'a trouvé à l'auberge avec son amant. Demande à ces derniers ce que son mari et on fait à ce monsieur annoncé qu'il est hébergé. Il dit que, hey, maman, Nicole, nous allons, tu vois, c'est moi qui dis. Hein? C'est moi qui dis, maman. Hein? On continue, Emma. Tu vois là, moi, je viens te dénoncer, Emma. Moi, je dénonce juste. Moi, je dénonce. C'est pas mon problème. Mais je viens juste te parler. Donc, moi, je viens juste te parler, ma chérie. Tu parles là dedans que. Je t'assure, demande à cette dernière ce que ton mari l'a trouvé à l'hôtel. Donc, ton mari. T'as trouvé à l'hôtel avec maman qui dit qu'elle a le waka de ça. Demande à cette femme qui est Odof. Maman, le waka de ça. Donc, vous venez mentir les Camerounais ici. Vous venez mentir les Andiko, vous cotisez 1000 euros par semaine. Le coup, tu vends le dos. La reine est toute manière. Tu es une grosse vendeuse de dongo. Une grosse vendeuse de Ndongo, maman. Arrêtez de vendre le rêve à la jeunesse. Ce n'est pas bien. Ah, non. Si la femme, tu prends l'argent, il dit que tu prends l'argent pour prêter là. Tu prêtes une grosse somme d'argent à Pipi tous les jours. C'est là que tu vends le Ndongo. Hein? Tu es vendeuse de Ndongo. Viens dire au Camerounais. Viens dénoncer. Hein? Va la fille de ton mari qui te tape tous les jours. Tu as dépensé l'argent comme ça pour qu'elle vienne en Europe. Pour qu'elle entre en France. Subitement, dans ta propre mesure, elle vient ta coupe. Mais viens dénoncer ça. Quand tu ne dénonces pas, ça la manière. Viens dénoncer ça. Viens t'asseoir, tu dénonces. Tu as le kilo, tu dénonces. Mais vous ne dénoncez pas. Vous laissez ce qui est dans vos placards. Pour venir insulter les gens, vous faire passer pour les grandes dames. Grandes dames, elles même dépassées. La reine est plus maniaque. Grande dame est dépassée. Viens dire où est passé ton fils. Va les femmes, hein. Aucune éducation de son enfant. Ton fils de 14 ans, tu n'as même pas le temps d'éduquer ton propre fils. Hein? Pour aller chercher un homme. Pour aller chercher un homme en Afrique. Directement, quand tu as fait reconnaître ton enfant de 14 ans, au Congolais. Tu es parti chercher un nom. Au lieu de t'asseoir, éduquer. Parce que à 14 ans, l'enfant a déjà l'âge émancipé. L'âge de la puberté. Tu n'as pas eu le temps de t'asseoir pour éduquer ton enfant. Ton fils de 14 ans est passé où? La même chose que mon papa, Bombo Indi. Voilà les mêmes gens qui n'ont pas eu le temps d'éduquer leur enfant. Le temps d'aller chercher un bandit. Et que tu as fait reconnaître ton enfant par un complet. Tu es parti, tu as appelé le carreau, parti directement en Afrique, aller chercher un homme. Voilà les conséquences de l'homme dans la maison. Tu sortais les couteaux dans la maison. La fille te tape dans la maison.
et ton propre enfant est ouf. Où est l'éducation de ton enfant? J'ai moi dit que depuis, je me suis posé la question, est-ce que cette femme, ça va me l'enfant? Je ne connais pas l'enfant, mais quand j'ai su comment tu es un enfant, je suis tombée des nues. Je suis tombée, vous passez votre temps à insulter les femmes qui se battent pour éduquer les enfants, qui prennent leur, qui consacrent leur vie pour éduquer leur enfant. Mais vous, le temps d'éduquer l'enfant, c'est le temps de tirer les valises. Le temps de tirer les valises, ton enfant est déjà dans où? Il se trouve à la DAS. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, rien. Tu n'as pas honte que ton enfant se trouve à la DAS, la reine et de manière. Tu je mens. Fais une vidéo, on voit ton fils là-bas. Fais une vidéo, on voit ton fils. Mais c'est bon, comment avez-vous sur Facebook? Voilà, c'est pipi, hein. Pipi a même honte. Voilà ça que pipi a honte de sortir pour aller faire le waouh. Hein. Parce qu'elle a peur que si elles ne sont pas appelées, soit fille. C'est ça qu'elle est posée dans la maison comme ça. Elle fait les dires, elle veut montrer. C'est ça qu'elle, où la voix, elle veut faire les dires pour montrer que nous, elle est dans la maison avec l'enfant. Ou que l'enfant vit la galerie, il n'y a même pas le chauffage dans la maison. Le chauffage est qu'un côté. Mais dans la chambre de l'enfant, il n'y a pas le chauffage. Il n'y a pas le chauffage. Voilà aussi, c'est la reine. Son enfant se trouve à la DAS. Son enfant de 14 ans se retrouve à la DAS. Parce que la mère s'est pas assise pour éduquer son enfant. Ils vont venir s'asseoir, ils vont venir parler aux gens sur Facebook. Vous pouvez parler aux gens. Hein? Okay. Là, pendant que tu l'attends, Olo. Alors, tu sais, hein? Elle a rien de pipe mania. La rien de pipe mania. Ton enfant se trouve à la date ou quoi? Mais indigne. La rien de pipe indigne. Les mêmes gens comme les bonbons. Que l'enfant est en prison parce qu'elle n'a pas le temps de venir éduquer son enfant, elle n'a pas le temps de s'asseoir pour elle a le temps de tirer la valise pour aller dans le dos. Voilà, mais voilà, reine de pipi mania. Dès qu'elle a eu le kaolo, elle a laissé l'enfant aller chercher le mari jusqu'à prendre la fille de son mari pour venir en bain. Mais son propre enfant se trouve à la DAS parce que tu n'as pas eu le temps de t'asseoir pour éduquer ton propre enfant. Tu as le temps. Tu as le temps. Hein? Tu as le temps. Qui Marie? Hein? Qui Marie? M'aide. Vous n'envoyez pas les cœurs. Marie, c'est mon mari, me dérange. Elle me boit l'eau. Nicole, aucune des maman, le père, il y a quel père ici? C'est un enfant. Il peut m'occuper que de mari. Vous devez me décourager jusqu'à. Ouais. Vous devez me décourager. Envoyez les que mes chers frères et sœurs, il y a un truc qui est pour signaler pourquoi? Pourquoi vous signalez? Hein? Pourquoi vous signalez mon live? Pourquoi vous signalez mon direct? Laissez mon direct tranquille. Ne signalez pas mes directs. C'est quoi? Pourquoi vous signalez? Il y a des coqueries. Et à quel niveau? Hein? Est-ce qu'elle est finie? Mais, je suis plus Vanessa.
Mais l'escroquerie, c'est qu'ils n'ont pas fini de payer le monsieur qui a reconnu l'enfant, non. Ils n'ont pas fini de payer le monsieur qui a reconnu l'enfant. Ils n'ont pas fini de payer le monsieur qui a reconnu l'enfant. Ils étaient censés finir. Elle a juste avancé, mais elle n'a pas fini. Donc, voilà, les vents, l'escroquerie, non. Le monsieur est capable d'aller partir, dit que non, c'est un peu son enfant. Elle va faire comment? Comment elle a retiré les carreaux? C'est un Congolais qui a reconnu son enfant, son fils de 14 ans. Mais ils n'ont pas fini de payer la moitié. Il restait la moitié. Ils ont payé la moitié, mais il restait la moitié. Ils n'ont pas fini tout. Exactement, il y a l'escroquerie dedans. Parce que le monsieur peut dire que non. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Oh, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mes gens. Oh. Mettez les cœurs.